begins to leak. The worms crawl in, the worms crawl out. The worms play pinochle on your snout. They eat your eyes, they eat your nose. They eat the jelly between your toes. A big green worm with rolling eyes. Donc, bonjour à tous les amis, c'est Raven Black. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos du début de semaine, eh bien, ça veut dire que vous avez déjà répondu à cette question. Mais dans tous les cas, bienvenue pour le Scary Mode Fade numéro 160 spécial Halloween. Donc c'est l'épisode que tout le monde attendait. Comme c'est Halloween mercredi, je ne pouvais pas le faire la semaine prochaine, sinon ça aurait été trop tard. Donc je préfère être dans les temps. Voilà, je le fais aujourd'hui le 26. Donc on commence direct avec une maison, donc sur le thème d'Halloween, toujours. J'ai essayé de respecter ça au maximum. Donc c'est une petite cabane, on va dire, pour les sorcières. Donc le mode My Little Witch Home at Skyrim, créé par Jackalix137. Donc la maison, vous allez la trouver au nord-est de Mortal. Qu'est-ce que je dis ? Non, en fait, c'est pas du tout au nord-est de Mortal. J'ai cru que c'était au nord-est de Mortal, et quand j'y étais, en fait, j'ai rien trouvé. En fait, il faut aller à l'académie des mages, et vous allez sur le toit, et ensuite, vous allez trouver un portail, et ça va vous mener dans cette maison. Voilà. Donc, c'est un portail qui vous y mène, hein, elle n'est pas à trouver sur la map. Le portail est sur le toit de l'académie, il faudra y accéder via l'Arcaneum, ou une autre, ou le bureau de l'archimage, ça marche aussi. Donc, que dire sur cette maison, à part que tout est bien fait? Il y a tout ce qu'il faut pour les sorcières, un chaudron, vous pourrez cuisiner des trucs bizarres dedans, comme vous avez pu le voir. J'ai bien aimé aussi les feuilles qui volent en l'air, ça fait un peu une sorte de magie qui a été jetée. Laboratoire alchimique est très bien décoré, je sais pas si vous avez déjà vu un labo aussi bien décoré, en tout cas moi pas. Vous avez un espèce de plateau de mysticisme, je sais pas si ça se dit comme ça, ou de spiritisme, si vous préférez. Donc là c'est un hôtel d'enchantement qui est aussi bien décoré que le labo, donc ça fait plaisir. Pourrait vraiment tout faire. Les étagères aussi sont bien décorées, hein. Il y a le souci du détail comme vous pouvez le voir, avec le petit globe, voilà, qu'on voit pas tout le temps, franchement. Et il y a des gemmes, en veux-tu en voilà, donc voilà, vous serez fourni au niveau des gemmes. Et là c'est le coin, on va dire, où vous dormez, donc avec un lit de place comme d'hab, encore un plateau bizarre, des livres de sorts pour décorer, bien entendu, des boules magiques parce que c'est obligatoire. Et vous avez des crânes au fond de la pièce, voilà, des crânes de trolls, un peu de tout, et c'est à peu près tout, voilà. Par contre, ce qui manque, c'est peut-être une penderie, ou je sais pas. En tout cas, le réalisme est là, parce qu'il y a des toiles d'araignée partout, donc ça fait bien cabane de sorcière. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ce truc-là, ce qui sert à enchanter vos bâtons de magie, voilà, parce que c'est indispensable pour les mages et les nécromanciens. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt les sorcières, mais bon, c'est pareil. Donc voilà, et je sais pas si vous avez vu, mais il y a une espèce de rune qui est plutôt jolie sur le pas du portail. Voilà. Donc après, vous avez juste à le remprunter pour sortir de la maison et retourner à l'académie, tout simplement. Donc voilà, en plus, j'ai essayé de vous l'éclairer, parce que vous allez voir que quand vous allez rentrer, elle est vraiment très sombre. C'est pour ça que je vous ai mis des boules lumineuses, comme d'habitude, pour éclairer les recoins de la maison. Sinon, vous aurez rien vu, hein. Et c'est pas le but. Donc, on passe au mode suivant, donc qui est un mode qui va rajouter une petite île sur le thème d'Halloween. Enfin, une petite île, elle est plutôt grande, hein. Je m'attendais à plus petite. Donc, le portail se trouve au dock de... qu'est-ce que je dis ? Non, il se trouve juste au nord de Mortal, voilà, nord-ouest, on va dire. De toute façon, vous allez voir sur votre carte, ce sera marqué Strange Isles Portal, voilà, pardon. Donc voilà, ensuite vous l'empruntez, ça va vous mener direct sur l'île. Vous allez voir que c'est assez bien fourni, l'île, hein. Elle est plutôt bien décorée dans tous les recoins. Franchement, ça donne envie de tout visiter, mais le truc, c'est que vous allez vite avoir fait le tour. Même si elle est grande, en fait, vous allez vite faire le tour. Donc le mode somme Strange Isles, créé par Team MCY. Donc j'avais jamais entendu parler de cette team de modeurs, hein.
Moi je connaissais plutôt Tymtal pour les armures, mais bon, faut tester un peu de tout et je me suis dit pourquoi pas présenter leur mode. Je l'avais déjà vu depuis des semaines et je l'avais mis de côté jusqu'à cet épisode spécial Halloween justement. Donc voilà, j'avais hâte de vous le montrer et de pouvoir voir comment c'était à l'intérieur et franchement j'ai été plutôt content. Vous pouvez voir qu'il y a des espèces de lignes rouges, c'est ce qui sert en fait de pont pour relier ce qui est en l'air, les plateformes qui sont en l'air, vous pourrez y accéder justement via ces ponts bizarres. Voilà, même s'ils sont invisibles et qu'on les voit pas tellement, vous inquiétez pas, ça tient. Vous pouvez marcher dessus, courir dessus, ça tient vraiment. Donc, le thème Halloween est respecté vu qu'il y a du sang un peu partout, il y a une cascade de sang même, avec une fontaine de sang aussi. Ça, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y avait des têtes de citrouille, bien entendu, un peu partout. En plus, sur certaines citrouilles, il a mis un visage qui était assez marrant, de tête à claque. Voilà, vous allez le voir dans pas beaucoup de temps. Donc voilà, après, le truc le plus glauque que je trouve de l'île, c'est le tonneau que vous voyez tout au fond à gauche. Voilà, juste à côté de la fontaine. Pour moi, c'est le truc le plus dégueu que j'ai vu sur l'île, voilà, avec qui regroupe plein de cadavres à l'intérieur. Franchement, c'est une marmelade de cadavres. C'est vraiment dégueulasse. Yeah, c'est le cas de le dire. Donc là, vous avez une tour de garde qui est hantée par un fantôme. Les ennemis, en fait, sur l'île, il y en aura une dizaine et à chaque fois, ce sera les mêmes. Ce sera des zombies couplés avec des fantômes. Voilà, des zombies fantômes, on va dire. Et à part ça, il y a des statues un peu partout, voilà, qui sont assez bien faites. Au centre de l'île, bien entendu, il y a cette fameuse église qui est penchée. Franchement, c'était assez original de faire ça, de la pencher comme ça. Attention, si vous rentrez à l'intérieur, je vous mets en garde parce que il y a plein de zombies qui vont vous attendre. Voilà, armés de haches et tout. Il y en a même un qui garde l'entrée, donc attention. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. Il y a même un hôtel aussi que j'ai trouvé assez joli. Et il y aura un seul PNJ qui sera sur cette île. Il s'appellera The Pumpkin Man. Il aura une citrouille sur la tête. Voilà, il est un peu déjanté. Voilà. En fait, il se planque, il affronte pas trop les ennemis, il cherche pas la merde. Voilà. En fait, c'est plutôt une tafiole. En fait, il va se cacher plutôt que de les affronter. Donc, ça doit faire un moment qu'il est là, le pauvre. Donc, voilà. Je sais pas comment il a fait pour survivre, d'ailleurs, à l'intérieur. Et en plus, je sais pas si vous avez vu la créature qui est sur la plateforme du haut. Elle est assez bien faite. Il s'est aidé d'un corps de prêtre dragon et il a fait un espèce de Dracula. Voilà. Il l'a assez bien réussi. Et voilà. Moi, ce que j'ai préféré, en tout cas, dans ce mode, c'est les citrouilles. La cascade de sang qui est plutôt stylée. Et la fontaine aussi. Voilà, qui est juste ici avec le squelette qui tient la citrouille tête à claque. Voilà, c'est ce visage-là que je vous parlais. Et il est un peu partout, ça m'a fait marrer quand je l'ai vu la première fois. Je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Mais non, en tout cas, ça rajoute un peu de un côté marrant. Voilà. Pour pas que cet endroit paraisse très très glauque, même s'il l'est déjà. Donc voilà, vous avez plus qu'à profiter de l'île. Donc, on passe au mode suivant, donc qui est le mode de la followeuse, et oui, vous allez encore la trouver au Hall of the Dead, donc la crypte de Blancherive. Il faudra aller dans les catacombes pour la trouver, je tiens à préciser. Donc vous ferez la rencontre de Nerida, vous allez la trouver en train de prier, ou de méditer, comme vous voulez. En tout cas, elle est à genoux. Et quand vous allez installer le mode, vous pourrez choisir son mode de corps, donc elle est compatible UNP-CVBE. Vous pourrez choisir sa coupe de cheveux, je crois, ou pas. Je crois pas que ce soit la coupe de cheveux qui est à choisir, c'est plutôt ses yeux, voilà. On se souvient, vous pourrez lui mettre les yeux de zombie ou les yeux normaux. Donc le mode somme Nerida the Crow, Halloween Follower, créé par Nacht Daimrung. Et là il a un nom assez long. Vous avez déjà présenté des followeuses de lui, donc voilà, c'est pas la première, ce sera peut-être pas la dernière. Donc son armure est assez bien faite, hein. Elle est composée de plusieurs éléments. Dont la jupe qu'elle n'a pas équipée, et normalement elle aurait dû avoir deux katanas dans son dos, mais elle n'en a qu'un. Ne vous inquiétez pas, elle va l'équiper tout à l'heure. Et vous avez pu voir qu'elle a des cicatrices aussi dans le dos. Son maquillage aussi est très bien fait, ça respecte très bien Halloween. Donc ces katanas ont des noms, donc il y en a un qui s'appelle Solas et l'autre Soro. Il y en a un qui fait 21 et l'autre 17 de dégâts. Ils font des effets, il y en a un qui fait un effet de poison, voilà, qui fait 1 point de dégâts de poison par seconde, je crois. Et l'autre Solas fait un effet qui absorbe 15 points de santé. Voilà. Donc ils sont tous les deux enchantés, c'est assez stylé. Et au niveau de son armure, comme je l'ai dit, il y a plusieurs éléments, dont la jupe qu'elle a pas mise. Et au niveau des sorts de magie, elle a que des sorts de soins, donc c'est pas trop sa tasse de thé. Voilà. C'est un peu normal.
Donc voilà, là je vous montre quand elle a équipé la jupe et les deux katanas dans son dos, ça fait 10 fois mieux, comme vous pouvez le voir. C'est 10 fois plus stylé. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle sera normalement dans votre jeu à vous. Voilà, et puis si elle n'a pas équipé son deuxième katana, vous inquiétez pas, elle s'en servira dès que vous vous téléporterez avec elle. Voilà, ce sera réglé. Après vous pouvez lui... Vous pouvez choisir de lui enlever la jupe hein, si vous préférez l'avoir en string, c'est votre problème. Donc, on passe au mode suivant. Qui est un mode, on va dire, de quête assez étrange. Donc il faudra... On va prendre comme point de repère Fort Divers sur votre carte. Et puis vous allez aller tout à l'ouest pour trouver le phare d'Ivronde. Donc oui, on n'a pas l'occasion d'y aller souvent à ce phare. Donc un phare où il s'est passé des choses assez bizarres. Donc dès que vous allez arriver, vous allez voir déjà un cadavre de cheval. Donc là déjà ça sent le roussi quand vous voyez ça. Et puis il y aura aussi un voleur qui sera mort devant la porte du phare, bizarrement. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on voit que du sang par terre et tout. Il y a même un chariot avec de la marchandise un peu chelou aussi. Même le garde se demande qu'est-ce que ça fout là, mais il ne peut pas le savoir. Oui, parce que les gardes, en fait, il y en a qui habitent dans ce phare. Donc en fait, ils sont venus me prêter main forte pendant la quête. Sur le côté, il y a encore un cadavre avec plein de sang. D'ailleurs, je sais pas si c'est son sang à elle, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Donc le mode s'appelle Cursed Child's Doll Halloween Special, créé par Mihail Romanov. Donc Mihail qui est le spécialiste de mode des créatures. Donc voilà, il a l'habitude de faire beaucoup beaucoup de créatures, donc Halloween, ça lui fait pas peur. Donc, dès que vous rentrez dans le phare, les gardes ont réussi à poutrer une enfant qui jetait des sorts, apparemment. Je sais pas si elle était dangereuse, mais en tout cas, ils lui ont bien réglé son compte. Et après, il y avait quelque chose qui les perturbait. Ils sont même mis à bugger un moment, c'était assez marrant. Et en fait, c'était sous le sol, donc vous allez devoir crocheter les portes pour y accéder. Donc il faut être maître en crochetage, sinon vous n'arriverez pas à ouvrir la porte, parce que moi-même, je n'ai pas trouvé de clé. Donc j'ai été obligé de tricher, via la console, malheureusement. Donc après, il y a une pièce où vous trouverez une poupée d'enfant, bizarrement, sur un cadavre. Vous pourrez même prendre les économies qui sont sous le plumard, bien entendu. Et puis quand vous aurez accédé à l'étage d'en dessous, les gardes vont bien entendu descendre comme des oufs pour aller poutrer les chorus qui sont à cet étage-là justement. Donc, et à partir de là, les gardes ne pourront plus vous suivre pour la suite de la quête. Et attention parce que ce sera blindé de Falmer et de chorus. Donc voilà, vous allez en avoir une plâtrée. Il y aura même des pièges mais qui seront grillés à des kilomètres, donc vous pourrez les éviter assez facilement. Et quand vous en aurez tué assez, vous allez bien entendu à la fin, et oui c'est... C'était assez original de faire ça, il a fait une reine chorus, voilà. Il s'est aidé d'un corps de dragon, il a fait une reine chorus. Il me fallait une plus grosse arme, hein, du coup. Et vous allez devoir lui mettre masse dégâts dans la tronche, parce qu'elle meurt pas comme ça. C'est comme un dragon de base, hein, aussi difficile à tuer. Donc voilà, et une fois que vous aurez tué tous ces petits enfants, eh bien on pourrait sortir, et comme ça vous aurez réglé le problème, la quête sera terminée. Vous aurez réglé le problème des meurtres, vous aurez tout nettoyé. Et ensuite, il ne vous manquera plus qu'à lancer le sort que vous avez eu sur la fille. Et voilà, ça invoque ces magnifiques petites poupées tueuses que vous pourrez envoyer sur vos ennemis. Elle reste que 60 secondes, donc attention. Et on dirait pas comme ça, mais elle tape fort, hein, vous inquiétez pas. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, d'ailleurs. Et elle chante une chanson aussi, qui est assez stylée. Chanson d'Halloween, quand vous l'invoquez. Donc, on passe au mode des armures. Donc l'armure pour les hommes, cette semaine, elle se nomme Overwatch Dracula Reaper, créée par Wavebode. Donc une armure sur le thème d'Halloween, hein, bien entendu. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps sur Steam Workshop. D'ailleurs, j'avais dans l'optique de vous faire une autre armure que celle-là. Mais comme je l'ai vu au dernier moment, je me suis dit, il faut sauter dessus. Parce que, Overwatch, c'est très connu. Et en plus, le skin est fidèle. Voilà, donc je tiens à préciser que c'est un skin. Bien entendu, pour notre ami Faucheur dans le jeu Overwatch. Donc je sais pas s'il est vraiment fidèle, mais je pense que oui. Parce que je ne joue pas au jeu, je tiens à préciser, hein. Donc je peux pas vraiment savoir. Moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'elle était assez bien faite. Voilà. En plus, elle sera pas composée de plusieurs éléments, genre vous n'aurez pas à mettre les gantelets, les bottes et tout, et le casque, vu qu'en fait, ce sera une seule tenue que vous allez équiper, et ça vous mettra le tout, voilà, sur vous. Donc vous allez gagner du temps déjà. Voilà, après, l'armure, je crois qu'elle sera disponible à la forge, je crois. À moins qu'il faille aller à un endroit bien précis sur la carte. J'ai oublié de regarder d'ailleurs, désolé. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai trouvé stylé.
Ouais, je kiffe le manteau, je kiffe le rouge qui est dessus, je kiffe le masque. Franchement, je kiffe tout. Voilà. Donc je valide cette armure. Donc on passe à l'armure pour les femmes. Donc cette semaine c'est une armure de sorcière, mais une sorcière un peu sexy. Donc le mode somme Hot Witch pour les corps UUNP et UNPB, créé par Alexander Melodic. Donc voilà, UUNP c'est pareil que UNP, hein, vous faites pas chier. Voilà. Donc cette magnifique robe de sorcière sera disponible en 3 couleurs. Donc elle est en noir, en violette et en rouge. C'est vous qui préférez. C'est selon vos préférences à vous. Malheureusement, elle n'est pas fournie avec des bottes. C'est tout ce qui manque. C'est tout ce qui manquait dans l'armure et j'ai pas compris pourquoi il n'y en avait pas. Mais bon, pour remédier au problème, vous pouvez toujours équiper des bottes de nécromancien comme j'ai fait moi après. Et puis le problème sera réglé. Et au niveau du chapeau, il est disponible en 3 sortes différentes. 3 façons différentes de le porter. Donc il y en a une qui est très levée. Donc c'est adapté à toutes les formes de tête. Il y en a une qui est très levée. Après vous l'avez en version plus baissée, voilà, plus bas, je vais le dire comme ça. Donc voilà, moi pour la tête de mon personnage, j'ai équipé le type B, je crois. Donc il y a A, B et C, bien entendu. C'est selon votre perso comment il est fait, voilà, selon vos préférences. Moi pour ma part, j'ai préféré la robe en version rouge et le chapeau, je l'ai équipé en version B, voilà. Je pense que c'est la meilleure combinaison possible. Voilà, donc ensuite vous n'avez plus qu'à vous envoler avec votre balai et votre nouvelle tenue. Voilà. Moi je l'ai trouvé assez stylé, malheureusement les bottes manquaient, mais bon, c'est pas trop un problème. Ça ne gâche en rien la qualité de l'armure. Donc c'est ici que se termine le SkyMod Friday numéro 160 spécial Halloween. N'hésitez pas à me laisser un petit like si vous avez kiffé ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis moi je vous laisse avec la petite chanson des poupées tueuses. Et je vous dis à la semaine prochaine les gens pour de nouvelles vidéos. Passez un joyeux Halloween. Ciao. That's our job. But we're not mean.